Bonsoir, bonsoir à tous. Alors l'idée de cette présentation, de ce show, c'est que moi je vais me mettre en avant, je vais me faire mousser pendant une heure, et vous, bah, nécessairement, vous allez être un peu en retrait. Il n'y aura pas de ping-pong entre vous et moi, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Je ne l'ai pas prévu dans le programme. Donc ne m'en veuillez pas, on aura d'autres occasions de parler de vous. Dans un autre spectacle. Ou à l'occasion d'un événement qui reste à inventer, pourquoi pas, moi je suis ouvert. À vous de me proposer des choses. D'accord? Allez, on va commencer. Ah oui, j'oubliais, c'est marqué en petit sur l'affiche, vous l'avez peut-être pas vu, ce spectacle est gratuit pour les gens très laids. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non? Bon, bah c'est bien, on est entre nous. Alors, le sommaire du spectacle. Que vous sachiez un peu comment on va s'organiser. Il y aura tout d'abord ce que j'ai appelé l'intro ou intro-spectacle. C'est un zakouski, une mise en bouche. Elle est constituée principalement d'une danse régionale. Là, il y aura une partie très dérangeante. Vous verrez, c'est un sketch sur la folie où je vais baver pendant 20 minutes comme une bête sanguinaire. Et ça va vous renvoyer à votre propre monstruosité. À l'horreur de ce que vous êtes. Je peux vous faire un petit aperçu. Voilà. Bon, je serai pas habillé comme ça, hein. J'aurai des grosses écailles, il y a tout un micmac. Et je vais même faire semblant de croquer quelqu'un. Ah, vous verrez ça. Donc là, les trois quarts d'entre vous vont quitter la salle. Et le quart restant sera tétanisé. Ensuite, il y aura un sketch sur la vieillesse qui va nous changer les idées. Et juste après, pendant 10 minutes, je vais tenir des propos extrêmement choquants. Alors, exemple de propos très choquants. Quand la température de la Terre atteindra 300 degrés, les diabétiques seront les seuls à caraméliser. C'est très choquant. C'est très choquant. C'est très choquant. Oui, c'est choquant. Qu'est-ce que c'est choquant? C'est choquant. Au milieu du spectacle, il y aura un ventre mou d'une trentaine de minutes. Composé d'un ramassis de tout un tas de choses. Notamment un sketch assez novateur sur le gluten. Ah bon? Non, bah qu'est-ce que tu nous emmenais voir encore? Non mais croyez-moi, vous allez faire sensation quand vous raconterez que vous avez vu un spectacle sur le gluten. Ah mais c'est l'avant-garde du théâtre. C'est pas Beckett ou Ionesco. Non, c'est le gluten. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. C'est pas Chéreau non plus, ni Mnouchkine. Non. C'est le gluten. S'il y en a qui connaissent mon sketch sur le cholestérol, il y a des recoupements. Ensuite, entr'acte de 40 minutes, là vous avez quartier libre. Vous pouvez aller faire une balade dans le coin ou manger un morceau. Hot dog, croque, etc. Là on reprend avec une partie plus sérieuse qui va davantage se rapprocher d'une conférence que d'un one-man show. On va parler de l'Europe notamment et des déficits. Pour réveiller tout ça, pour relancer un peu la machine, j'ai ensuite prévu toute une série de mini-sketchs de 20 secondes, dont notamment le sketch de l'éléphant qui m'a fait connaître. Moi, il faut savoir que j'ai toutes les qualités de l'éléphant sans en avoir aucun des inconvénients. Voilà. Il y aura aussi mon sketch de la biscotte. Hein, vous verrez, j'ai décliné le thème de la biscotte, mais poussé à l'extrême. Un truc de dingue. Ensuite, on va quitter le monde des sketchs. Sketches. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Les yaourts et la chaîne du froid. Je profite du spectacle pour faire passer des messages. Après ça, je vais choisir quelqu'un parmi vous qui va devenir le souffre-douleur du groupe. On va projeter sur lui nos frustrations. Et d'ici quelques jours, il sera la risée de tout Paris et n'aura d'autre choix que de devenir humoriste.
Il va quitter son poste actuel. À la fin, je vais vous prendre un rebrousse-poil. Et juste avant de vous libérer, je vais vous faire pleurer pendant 10 minutes avec des souvenirs perso-perso. Vous ressortirez les yeux gonflés et tout rouge, le visage complètement bouffi. Des photographes vous attendent dehors pour des photos souvenirs. Je sais que vous aimez bien. Juste avant la sortie, il y aura vos applaudissements. Hein, vous vous demandiez où vous étiez là-dedans, et ben c'est là. Là, pour vous, il y a une belle carte à jouer. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment du spectacle où vous serez véritablement sur le grill. Donc, attention. Il y aura ensuite mon faux départ, puis mon retour pour un bout de sketch bonus. Et, bonus, hein, c'est-à-dire gratuit, vous n'aurez pas à bourse déliée. Et ensuite, mon départ définitif. À partir de là, le spectacle va se scinder en deux. Vous, vous ne serez plus témoin, mais moi, mon programme continue chez moi. Je vais me brosser les dents, déplier mon pyjama et d'autres actions. Il faut notamment que j'appelle un ami qui va très mal et qui risque de faire une bêtise. Ben, je vais devoir trouver les mots pour l'en dissuader, alors que je ne suis moi-même pas au top. Bon, en même temps, je dis ça, c'est pas du temps de perdu. Hein. Sans le savoir, il me donne des gags pour un prochain spectacle. Pour vous, pareil. Le programme continue, un programme chargé avec comme point d'orgue une engueulade dans la voiture. Engueulade qui verra l'un des deux époux quitter Paris ce soir même. Avec à la clé, pourquoi pas, une nouvelle vie qui s'amorce, un nouveau départ. Vous volez une moto, vous prenez vos clics et vos claques et hop, direction le sud. À Palaiseau. Vous refaites votre vie là-bas, on ne vous revoit plus jamais. D'accord ? Bon. Alors, un mot sur l'origine de tout ça. Comment on en vient à faire un spectacle ? C'est difficile à dire, il y a plusieurs choses. Moi, vous savez, j'ai toujours été sensible à l'art, à la beauté des choses. Et d'ailleurs, au cours du spectacle, il pourrait y avoir des moments de grâce, hein, comme celui-là. Mais bon, c'est pas le cœur du truc non plus, hein, ça arrivera fortuitement. C'est ce que j'explique dans mes cours de théâtre. Parce que je donne aussi des cours de théâtre très réputés. Alors les enfants, aujourd'hui, on va bosser un peu les émotions. Liliane, c'est Liliane, hein? Non, c'est Odile? Bon, écoute, moi j'ai pris le pli, je continue sur Liliane. Donc Liliane, la semaine dernière, tu nous avais mimé le taille-crayon qui sort d'une trousse. Ah, tu nous avais fait un taille-crayon taciturne, un peu alcoolique. Cette semaine, je vais te demander d'éclater de rire, mais d'un rire qui exprime une immense tristesse. Ah oui, un petit piège, Liliane, il y a un petit piège, oui. Allez, vas-y. Non, Liliane, tu dois en faire des caisses. Parce que sinon, les gens au fond ne voient pas ton intention. Tu dois jouer pour les gens du fond, qui, eux, ne voient rien. Allez, vas-y. Voilà, comme ça. Alors, pour les gens du premier rang, ça sonne peut-être faux, mais au fond, ça sonne juste. Et au milieu, les gens trouvent ça bizarre, oui, bon. À toi, Nicole, pendant ce temps-là, je voudrais que tu réfléchisses à une notion très intéressante au théâtre. La notion de se moucher, le nez, hein, en exprimant un doute. Ce sont quelques exemples. Bon, ceci dit, c'est pas obligatoire de prendre des cours pour faire du théâtre ou du cinéma. Moi, j'ai fait un peu de cinéma. Quand on me demande si j'ai déjà joué, je dis « ouais ». J'ai eu un petit rôle dans une coloscopie. C'est un court-métrage intimiste qui explore l'âme humaine. C'est un plan séquence tourné en décor naturel.
Est-ce que ça se finit bien Bah oui, forcément. De toute façon, on est toujours content quand ça se termine, ce genre de film. Hein, non. Ah non, j'en ai fait qu'un, non. J'en ai fait qu'un. Oh, parce qu'on se lasse. On se lasse de tout. Il y en a qui l'ont vu ici? Ouais. Bah, il y a eu des belles critiques quand c'est sorti. Hein, je me souviens, certains journalistes ont trouvé que ça évoquait un peu l'univers de Truffaut. Bon, pas tout, évidemment, mais l'aspect moderne, déjà. Et puis le contexte un peu sombre. Bon, ça reste un film de genre, hein, j'en ai conscience. Ah tiens, puisque vous me parlez de coloscopie, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. S'il y a des parents dans la salle, faites bien attention. C'est une publicité parue dans Pédagogie Magazine qui nous le rappelle. La rentrée des classes, c'est aussi la rentrée des vers. Eh oui, de leur côté, les vers s'organisent. Ils sont là avec leur cartable dans l'intestin de nos enfants et a priori, ils envisagent de passer l'année dans le même établissement. Alors que faire si votre enfant a été choisi comme établissement pour abriter une classe de vers? Et toute l'équipe pédagogique qui va avec. Premier réflexe, nous dit la publicité, traitez d'abord l'entourage, y compris le grand frère qui est en terminale et qui sera ravi d'être vermifugé à titre préventif. Le jour de la boum du premier trimestre, c'est parfait, ça le mettra à l'aise. Bonsoir, je suis vermifugé. Avec moi, t'auras pas de problème. Côté vert. Bon alors, traitez les enfants seulement. Parce que les adultes, eux, ils ont d'autres problèmes. Et pour leurs problèmes, le ministère de la Santé vient d'éditer un petit fascicule. Le voilà. Ils l'ont appelé « passeport pour la constipation ». C'est donc un document officiel qui vous ouvrira les portes de ce beau pays. Le pays des constipés. C'est plus qu'un pays, d'ailleurs. C'est une nation. Avec son hymne. Et on n'y entre pas comme ça. Alors, le passeport a été illustré avec des dauphins constipés. C'était plus simple que de mettre des Français. Personne n'a voulu figurer sur le passeport. Alors, le passeport contient beaucoup d'infos pratiques, notamment une définition de la constipation. Bien, pour ceux qui aiment bien définir les choses, eh bien, c'est quoi? C'est un des efforts de pousser, deux, des sensations d'évacuation incomplète. Oh, chérie, j'ai une sensation d'évacuation incomplète. Les enfants, filez dans vos chambres, papa, une sensation d'évacuation incomplète. Vite, 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 vite. Alors, pour vous détendre, vous trouverez aussi en dernière page du passeport un petit jeu pour reconnaître les différents types de sel. Oh, c'est ludique, c'est sympa. Quelques astuces. Quelques astuces. Ah oui, celle-là, je me souviens. C'est des bons souvenirs. Allez, revenons aux enfants. Alors, Pédagogie Magazine nous communique cette info encourageante. Dès le primaire, 40% des élèves sont voués à l'échec. Échec total, vie foirée de bout en bout. Ah, donc, c'est motivant pour les parents. Ah, le magazine ne nous laisse pas en plan, il est sympa. Premier conseil, évitez l'interrogation surprise pendant le dîner. Amélie, tu poses ta fourchette, tu sors une feuille et un crayon. Discipline. Et à propos de discipline, justement, on se demande souvent, est-ce que ça peut pas être bien, dans certains cas, de donner des claques aux enfants? Ils sont demandeurs. Quand c'est fait dans un bon esprit. À petite dose, évidemment, hein. C'est pas clac, 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 pendant 3 heures, bon. Alors le problème, c'est qu'on sait jamais si la claque est vraiment justifiée, ni surtout si elle arrive au bon moment. Alors du coup, moi, j'applique une règle très simple. Tous les jours, je donne une claque à heure fixe. À 18 heures, claque, voilà. L'enfant a toujours au moins un petit quelque chose à se reprocher. Donc lui, il sait pourquoi il la reçoit. Et moi, en contrepartie, je ferme les yeux sur ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. C'est pas mon problème. Bon, moi, j'ai fixé 18 heures, mais ça, chacun s'organise avec son enfant. Il y en a qui préfèrent avoir la claque le matin en réveil. Ah, pour les parents, maintenant, qui ont un enfant un peu
roots, tendance dreadlocks, la revue donne un autre conseil pour mieux communiquer avec l'enfant. Placez un man à la fin de chaque phrase. Tu viens ranger ta chambre, man? Ah ben là, c'est sûr que vos ados n'y verront que du feu, hein. Parents hyper crédibles. Man, man. Pour les plus jeunes, pensez au poids du cartable. En particulier, interdisez à votre enfant, et ça, il faut être ferme là-dessus, d'emporter à l'école une enclume ou du ciment. Même si certains profs peu scrupuleux le demandent. Alors, la limite du poids du cartable, c'est facile à voir, c'est quand l'enfant tombe en arrière, tout simplement. Petite astuce. Un mot sur l'argent de poche, maintenant. Et les gratifications. Alors, on ne sait jamais combien donner aux enfants. Hein, c'est comme les pourboires. Pour nous, c'est rien, mais on ne veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France. Hein, pour vous situer par rapport aux autres. À vider le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne vous faites pas avoir. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 euros, selon la surface. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 euros. Ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Et pour un raccordement de votre habitation au tout à l'égout, il vous en coûtera en moyenne 9 euros. Et les enfants ne feront en général pas de difficultés pour vous accorder un 3 fois sans frais. Donc vous voyez, en étant malin, on arrive à amortir l'enfant, si je puis dire. Autre condition pour que l'enfant réussisse bien, c'est qu'il ait une bonne alimentation. Alors justement, la revue fait référence à une étude assez étonnante de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, et d'après cette étude, je cite, « 90% des parents se disent sensibles à la nutrition des enfants. » Autrement dit, 10% d'entre eux n'en ont strictement rien à foutre. Hein, et nourrissent leurs enfants de bar cacao de thé. Il y a quand même un malaise, là. Hein. Ah, il y a un malaise. Bon. Plus étonnant à la question « Combien d'enfants de moins de 18 ans à votre charge vivent-ils dans votre foyer ?» près de 6% des parents sont incapables de donner une réponse. Oh, ben je sais plus. Chérie, combien on en a déjà? Écoutez, peut-être 2, 3, très sincèrement, je sais plus. Je les ai pas comptés récemment. Oh, mais écoutez, moi, je travaille toute la journée. Je rentre à 18h, je leur donne leur claque. Ensuite, ça joue à la console. Ils mangent pas le soir parce qu'ils sont malades de la cantine du midi. Bon, histoire qu'ils se couchent pas le ventre vide, je leur donne quand même un nuts. Donc moi, concrètement, je les revois pas avant le lendemain, le surlendemain. Sauf quand ils sont hospitalisés, là, je peux en profiter un petit peu, mais bon. C'est rare, hein, c'est rare. Les maladies infantiles. Bon. Ah, puisqu'on parle nutrition, renseignez-vous aussi sur ce qu'ils mangent à la cantine. Ah, pour ça, il faut lire Le Cuisinier, le magazine des cuisiniers en collectivité. Alors, la collectivité, dans l'esprit des gens, c'est une citerne de Macédoine industrielle qu'on déverse dans des cuves. On sert ça aux gosses avec de la langue de bœuf en poudre. Ça braille dans tous les sens, les petits Suisses volent au-dessus des têtes. Résultat, les enfants mangent trop vite, ils sont ballonnés, et au bout du compte, c'est l'échec scolaire. Et bien souvent, le divorce des parents. Eh oui, donc c'est important de donner des bonnes choses aux enfants. Alors si ça vous intéresse, je vous donne une recette traditionnelle qui plaît toujours aux gosses, c'est le parmentier maison. Pour collectivité. Alors il faut 30 tonnes de pommes de terre. À écraser à la fourchette, mais vous pouvez vous aider de vos pieds. 15 tonnes de viande hachée, 800 kg de crème fraîche, un oignon pour relever un peu tout ça, et une pelleteuse pour étaler les différentes couches de hachis. Voilà. Et avec ça, les gosses vont se régaler. Ils pourront même jouer dans le hachis si ça les amuse. Ah, le hachis, c'est bien toute l'année. Essayez quand même de leur donner du poisson au moins une fois par an.
Ah, s'il n'aime pas le vrai poisson, donnez-leur du poisson pané, c'est mieux que rien. Et s'il n'aime pas non plus le poisson pané, bah donnez-leur au moins la chapelure. Hein. Il y a quand même un petit effet placebo. Hein. Ah, puisqu'on parle de tout ça, j'attire aussi votre attention sur l'importance du goûter. Ah, c'est un domaine que j'ai un peu étudié. Il faut savoir qu'au temps des mammouths, eh bien, il n'y avait pas de goûter. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut donner pour le goûter? Si votre enfant est un peu tendu, par exemple parce qu'il entre au collège, un mojito avec des cacahuètes, c'est très bien. Il n'y a pas de dogme en matière de goûter. D'accord? Bon. Donc si vous appliquez tous ces conseils, votre enfant devrait passer entre les gouttes de l'échec scolaire. Au moins jusqu'en sixième. Parce qu'après, ça se complique. C'est la puberté, les corps changent et les gamins deviennent infects. S'ils ne l'étaient pas déjà. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait bien besoin d'une péridurale, tiens. Même nous. Hein. Ils sont alors ce qu'on appelle parfois des adolescents. Une contraction d'adultes et d'adolescents. Moi d'ailleurs, plutôt qu'adolescent, je préfère la notion d'enfulte, enfant-adulte. Je leur dis souvent du reste, hein, espèce de petit enfulte. Donc ils deviennent pénibles, et puis surtout ils découvrent leurs premiers émois sexuels. D'abord avec un ours en peluche. Oh, je t'aime, tu sais. Ensuite avec la maîtresse d'école, mademoiselle Chanson. Et après seulement avec une personne classique. Bon. Alors quand arrivent les premiers émois sexuels des enfants, il y a une question qui nous taraude tous, les parents. Jusqu'où accompagner les amours de nos ados? Quand on en a, hein, on n'accompagne pas ceux des autres. Ou alors pour faire plaisir. Ce qui est important déjà, c'est de fixer une limite. Alors moi j'ai établi une règle, lors du premier rapport, je suis avec eux dans la chambre. Pour éviter les débordements. Petite question annexe. Qui n'a en fait rien à voir. Si vous avez plusieurs ados, et par exemple trois ados, et un logement pas très grand, mieux vaut coller les trois dans une chambre et vous faire un beau dressing, hein, dans les deux pièces libérées. C'est mieux pour vous, et s'ils vous sentent épanouis, ça va rejaillir sur eux, in fine. Ah, donc sortez du réflexe, un enfant, une chambre. Ah, parce que souvent, il y a des schémas plus malins. Autre sujet épineux, les premières règles. Comment en parler avec sa fille? Plus rarement avec son fils. C'est vrai que c'est un sujet délicat, qu'il ne faut pas aborder frontalement. Moi, j'utilise l'analogie du gazpacho. C'est bien, parce que déjà, ça permet aux jeunes de comprendre ce qu'est une analogie. Ah oui. Alors si pour votre enfant, le gazpacho est un sujet encore plus tabou que les règles, là, je peux rien faire pour vous. Hein. Débrouillez-vous. Pour les bébés, maintenant, il y a une revue très bien qui apporte des réponses aux couples qui ont décidé d'accueillir un petit être vivant dans la maisonnée. C'est réponse parents. Un premier questionnement légitime. Faut-il s'inquiéter des régurgitations? Non, ça fait partie du délire. Bleurgh. Deuxième questionnement, que faire quand vous ne supportez plus les pleurs du petit et que vous êtes à bout? Ça vient très vite. Réponse du magazine, expliquez à bébé votre état en utilisant des mots simples. Maman est complètement dépressive. Maman est devenue une grosse vache. Papa aussi, mais lui c'est la bière. Maman a envie de te secouer très fort. Non, pas forcément contre un mur. Maman va te jeter dans la Seine, on verra si t'es un bébé nageur. Bon. Autre question qu'on se pose souvent pendant la croissance de bébé, quand racheter des chaussures? Eh bien, quand bébé est violet. Hein. Là, ça veut dire qu'il faut passer à la taille au-dessus, hein. Alors, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une nouvelle paire à chaque pointure, prenez tout de suite du 43 et bourrez avec du journal.
En plus, ça habituera bébé à la vie d'adulte. Inutile de le bercer d'illusions. Alors, il y a quelque chose qu'il faut surveiller aussi chez les enfants, parce que ça peut révéler des choses très intéressantes. Ce sont les dessins. Et là, les mamans doivent savoir à quoi s'attendre. Parfois, votre enfant va faire de vous un portrait très flatteur. Parfois, non. N'en prenez pas ombrage. C'est une maman, là, Parfois, il y a des détails qui doivent vous alerter. Là, 4 ans, il y a un problème. Il y a un petit problème, là. Non, c'est pas le soleil. Ici, pareil, la tête de la maîtresse est absente. Ça peut être bien d'en parler calmement avec l'enfant. Avant que la maîtresse n'ait plus de tête pour de vrai. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, les enfants dessinent vraiment comme des manches. Écoutez, il y a un problème, là. Là aussi, c'est un camion, ça. C'est pas un animal. Là, je n'excuse pas tout. Ah, comme je le disais, être parent, c'est essayer d'être un modèle. Autant que faire se peut. Et être un modèle, c'est aussi avoir une vie de couple réussie. Idéalement. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut lire pour avoir une vie de couple réussie? Eh bien, Télérama, ça suffit pas. Il faut lire aussi Dossier familial, qui fait un numéro spécial sur la vie de couple. Ils ont choisi des sosies de Claire Chazal et Stéphane Bern pour illustrer. Bon, pourquoi pas, Moi, j'adore Claire Chazal. Claire Chazal, je trouve qu'elle est un peu comme la laine. Fraîche en été et chaude en hiver. Non? Alors, la revue nous livre ce qu'elle appelle les 7 piliers du bonheur. Et le premier pilier, on s'en doutait un peu, c'est d'avoir des gencives saines. C'est le témoignage de cette fille qui nous le confirme. Pendant des années, à cause du tabac, elle a dû se cacher derrière des enveloppes pour sourire. Hein, vous savez ce que c'est? Bon, et elle a mis les holas quand elle s'est aperçue que son budget enveloppe dépassait le budget cigarette. Ça a été un déclic, il y avait des enveloppes partout chez elle. On pouvait même plus accéder à la salle de bain tellement il y avait d'enveloppes. Donc elle s'est dit, bah, c'est plus possible, toi, avoir des gencives saines. Ça me reviendra moins cher. Et d'une façon générale, quand vous voyez beaucoup d'enveloppes chez quelqu'un, c'est qu'il y a un petit problème de gencives. De mon expérience personnelle. Un deuxième pilier du bonheur, c'est d'être bien dans sa peau. Alors je me suis penché sur la question de la chirurgie esthétique. On connaissait déjà les injections de Botox et le laser. Arrivent également sur le marché les collagènes de porc. Et assez bizarrement, il y a encore une certaine réticence à les utiliser. Oh ben pourquoi? C'est pas grave, le visage refait avec du jambon. Bah oui. Tiens chérie, tu me resserres un peu de museau s'il te plaît. Non, celui-là, pas le tien. Non, mais faut pas être effrayé par cette technique. Les fabricants de collagène sélectionnent évidemment les plus belles truies. Donc, pas d'inquiétude. Après, il y a tout un tas de petits conseils pour avoir une meilleure estime de soi. Déjà, tout simplement. Par exemple, quand vous allez aux toilettes, installez-vous sur la cuvette en Amazon, c'est plus élégant. Tout doux, tout doux, on est aux toilettes. Bon. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien, quand ils sont comme ça, dans des périodes de doute par rapport à eux-mêmes, ils aiment bien consulter les horoscopes, ça les rassure. Alors, je vous donne celui de la semaine prochaine. Gémeaux, vous bénéficierez d'une endurance extrême. Donc, si vous êtes un cheval de trait ou un bœuf, ce sera un atout. Les taureaux. Attention pour le second semestre, il y aura des problèmes génitaux possibles. Mais l'essentiel est préservé puisque vous aurez des contacts fréquents avec l'administration. Dans le jargon, on appelle ça des attouchements administratifs. Attention, maladies vénériennes. Pour les jeunes, les maladies vénériennes, c'est les maladies qui rendent vénères. Je suis cool.
Capricorne, amour, vous achèterez de l'électroménager. C'est mignon, hein? Ben oui, quand un couple bat de l'aile, un fer à repasser, ça rebooste. Même un congélateur bahut, faut pas mégoter en amour. Et à propos d'électroménager, il y en a qui ont peur de l'électroménager ici? Non? Et le Wi-Fi? Il y en a qui ont peur du Wi-Fi? Ouais? Faut pas, hein? Faut pas avoir peur du Wi-Fi. Ah, parce que les ondes, les micro-ondes du Wi-Fi sont très courtes et pénètrent peu dans l'organisme. Hein, c'est 2-3 cm maximum. Hein, donc vous ne serez pas complètement rôti par votre Wi-Fi, mais simplement saisi en surface, hein, à peine rissolé. Au pire, ça réduit un peu, c'est vrai, l'aptitude du cerveau à effectuer des tâches complexes. C'est pas grave, grave, grave. Vous pourrez toujours empiler des cubes. Ou des choses comme ça. On va pas en faire un fromage. Alors si l'électroménager ne vous inspire pas, j'ai d'autres suggestions cadeaux à vous faire que j'ai trouvées dans ce catalogue. Il propose des objets magnifiques qui font la fierté de l'équipe de rédaction. En parcourant le monde entier à la recherche de nouvelles idées, nous avons découvert ces clips en plastique. C'est vrai que ça valait le coup de faire le tour du monde pour apporter ça. Autre suggestion, soyez à la mode avec ces mules Edelweiss, un régal pour les yeux. Si vous êtes ivre mort, oui. Sinon, non. On ne peut pas dire ça. Ah, justement, la revue continue avec une question un peu angoissante, mais qu'on s'est tous posée un jour. Que faire si vos invités demandent des chaussons? Alors là, c'est la tuile. Hein. Chérie, bah qu'est-ce qu'on fait? Ils ont demandé des chaussons. Hein. Pas de panique, le catalogue fournit la solution. Voici des chaussons que vos pieds réclament. Ah, vos pieds, oui, votre mari peut-être un peu moins. Donc à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller dans le confort sans indisposer votre entourage. Non, parce que là, typiquement, ce sont les chaussons idéaux pour précipiter un divorce. Donc vous serez bien au chaud dans vos chaussons, mais seul. C'est un choix à faire. Autre objet tendance, là plutôt pour les femmes fatales, c'est le tablier bavoir. Fermé par Scratch. Il soulignera votre élégance au restaurant. Ça va pas, chérie? Allez, un coup d'éponge, rentre à la maison. Ah, il y a des idées encore plus originales, comme la balançoire à poulet. Hein, qui permet d'offrir un moment de récréation à votre poulet. Avant qu'il ne soit mangé. Mais c'est un beau geste, c'est sympa. Ça ou une dernière cigarette, enfin quelque chose, quoi. Sinon, je vous recommande aussi le marche-pied pour chien, hein, qui l'aidera à monter dans vos fauteuils. Ah, il appréciera le geste. Oh, merci, j'étais très fatigué, merci beaucoup. Et enfin, dernier objet que j'ai retenu pour cette sélection, c'est un urinoir portatif idéal quand les WC sont trop loin. Ah, et que vous avez la flemme. Hein. Ou quand vous regardez un film sur le service public, hein, comme il n'y a pas de coupure pub. C'est pratique, vous pouvez suivre le film. Ou quand vous allez au théâtre. Il y en a qui ont apporté le leur? Non? Bon, donc avec toutes ces idées cadeaux, vous devriez pouvoir entretenir l'amour. Ou au moins votre mariage. L'idée, c'est de le faire durer au-delà des noces de coton. Un an. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la durée de vie des couples, c'est tellement réduite qu'il a fallu inventer de nouvelles appellations. Noce de glucose, un jour. Noce d'aspartame, une heure. Bah, une heure à deux, c'est déjà une belle tranche de vie, d'accord? Mais bon, c'est un petit peu juste, quand même. Hein? Une heure. Un petit peu beaucoup, hein? C'est un petit peu juste, quand même. Hein? Une heure,
Typo beaucoup, hein. Oh, typo beaucoup. Une heure. Typo beaucoup, hein. Oh, typo beaucoup. Une heure. Une heure, typo beaucoup. Ben oui, c'est exigeant, l'amour. Saint Matthieu disait, l'amour, qui s'y frotte, s'y pique. C'est Saint Matthieu. Hein. Saint Marc ajoutait d'ailleurs, inutile de frotter. Et l'autre, c'est qui, Saint-Marc? Tu ferais mieux de passer la serpillière plus souvent, tu saurais. Donc ça pique, et pourtant les choses sont quand même bien faites. Chez l'être humain, la passion amoureuse incite à rester avec sa partenaire ou son partenaire. À la différence des animaux qui, eux, ne sont pas fidèles. Il n'y a pas de fidélité chez les animaux. Quand un castor dit qu'il va chercher du bois... Non. Non. Désolé, madame, non. En général, il fonce chez une autre castor et il revient au petit matin tout imprégné du parfum de l'autre castor. Et ils s'engueulent pas, eux. Ça vous met mal à l'aise, ces histoires de castor, hein? Ah, j'ai vu une statistique incroyable dans La Vie du Rail, un magazine sur le train. 46% des voyageurs se sont déjà fait draguer dans le train. C'est beaucoup, hein, près d'un sur deux. Alors, j'ai fait réaliser une petite étude complémentaire à mes frais, et il apparaît que ceux qui somnolent contre la vitre avec un filet de bave au coin des lèvres ont deux fois moins de chances de se faire draguer que les autres. C'est injuste, mais c'est comme ça. Ou alors si, il faut que deux personnes qui bavent se séduisent entre elles. Oh, vous aussi! Et à leur tour, elle pourra avoir des enfants qui bavent, etc., etc. Ça se transmet. Alors, si certains ici veulent essayer un type de rencontre plus original que le train, je leur recommande La Vie au Soleil. C'est une revue naturiste. Et il y a un monsieur au premier rang qui se dit « Ah, mais il n'a pas prévu d'agrandissement !» Ah non, ah non. Ah, la revue propose un très beau dossier, ce mois-ci. Rencontre, quand naturisme rime avec amateur d'auto ancienne. Ah ça, effectivement, moi, je savais pas. Mais toutes les activités existent en version naturiste. On peut être naturiste et faire de la soudure à l'arc. Il y a même des dresseurs de chiens d'attaque naturistes. Il n'y a pas de restriction. Il faut être prudent, c'est tout. Alors, on apprend qu'en Europe, la réglementation sur la nudité diffère selon les pays. Par exemple, je cite, « La législation belge ne permet les seins nus sur les plages que quand ils sont statiques. » Donc, quand vous êtes sur votre serviette, pour rejoindre la mer, il faudra avancer comme ça. Oh, dites, y a pas un moment de grâce, là? Bon, alors si vous préférez les rencontres tout habillées, à l'ancienne, il y a évidemment les petites annonces. Alors, j'en ai repéré deux pour vous, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. La première, c'est ce veuf de 69 ans, en bon état, qui cherche une compagne pour échange. Hein, probablement pièces détachées, rotules, etc. La deuxième, c'est cette femme de 60 ans qui cherche un camping-cariste pour fin de vie. C'est un beau projet, hein? Donc, idéalement, un mec torché au pastis qui acceptera de sacrifier son camping-car pour les balancer tous les deux du haut d'une falaise. Pff, voilà. Telma et Louise. C'est vrai que c'est plus sympa à faire en camping-car. Et au fait, j'ai pas pensé... Est-ce que vous voulez que je vous fasse un extrait de mon précédent spectacle? Ouais, ça vous dit? On se le tente? Laurent, en régie, est-ce que tu peux préparer mon ambiance de gala, s'il te plaît?
C'est beau, hein? C'est une danse que j'ai créée en 1987. Hein, la danse des étoffes. Et qui a plusieurs influences, hein, vous avez vu. Métissé, Orient, Grand Nord, etc. Et à la fin, bon là, vous n'avez vu qu'un extrait, ça se calme et il y a toute une évocation. Hein, je prends un bain au lait d'ânes avec des pétales de rose qui tombent. Et voilà. Ah oui, c'est un art qui n'est pas très coûteux. Hein. Moi, j'ai pris du taffetas de Chine, mais bon, deux torchons de cuisine suffisent. Et puis un corps harmonieux, évidemment. Hein. Mais au fait, vous êtes venu voir quel spectacle? Celui-là ou celui d'avant? Non, parce que celui d'après, c'est celui que j'ai joué avant-hier à Vincennes. J'ai l'impression que vous savez pas où vous êtes, là. Si? Il faut s'y remettre, on n'a même pas attaqué le ventre mou, là. Vous m'embarquez sur des trucs, on perd un temps en dingue. Alors allons-y, ventre mou. Oh, vous voulez qu'on continue demain? Mais qui rit comme ça tout le temps? C'est là-haut! Bah écoutez, si vous voulez qu'on continue dans de bonnes conditions, je vais être obligé de purger vos rires. Je suis désolé, je vais vous faire dégorger, on sera tranquille. Oh, c'est malheureux quand même, hein. À chaque fois que quelqu'un rit, je fais un trait. J'ai tout mon temps, hein. Allez, poussez là-haut. Quand je pense qu'il y en a qui s'emmerdent à écrire des textes. Allez, ça dégorge. Ça dégorge. Oh là 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 là. Là, c'est les rires gras, vous pouvez, hein. Bon, lui, je vais lui faire sa zone. Allez, terminé, toi, tu te tais. Je remets le bouchon. Bah, je remets le bouchon. Oh, on a bien ri. Moi, vous savez, je m'intéresse au monde extra-utérin. C'est-à-dire notre monde, hein. Notre monde, hein. Paris, les bouffes, ici, partout. Bon. J'observe un peu les choses et je suis assez inquiet parce que j'ai lu hier le dernier numéro de Viande Magazine qui fait un constat assez déprimant. Hein, certains l'ont peut-être remarqué l'été dernier à Paris. Le boudin se désaisonnalise. Pour le boudin, il n'y a plus de saison. Il y en a maintenant partout, toute l'année. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Alors, la revue déplore aussi un certain tassement des achats de viande en supermarché. Et pour endiguer le phénomène, la revue nous donne son conseil. En premier lieu, il convient d'apporter plus de théâtralisation au linéaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poulet ne peut plus se contenter d'attendre sous son plastique. Il doit se mettre en scène, hein, et devenir à la fois l'acteur principal et le dramaturge du rayon volaille. Il doit nous embarquer dans son univers de poulet. 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 Poulet ou poulet? Poulet. Elle dit poulet. 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 Que ces 20 ornements! Faites semblant d'apprécier sa prestation, je vous en prie. Que ces voiles me pèsent! C'est Phèdre de Racine.
cote, 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 cote. Pic, 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 cote. Tiens, une petite graine. Cote, 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 cote. Pic, pic, pic. Oh, 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 cote, cote, cote. Oh, cote, cote, piquante. Oh, que piquante. Oh, que pique, piquante. Oh, que pique, piquante. Bon, et à la fin, le poulet salue le consommateur, et là, rideau, il repart dans les stocks, revient pour les rappels, et là, le public lui jette du thym et des feuilles de laurier, hein, qui pourra se mettre dans le... Théâtralisation du linéaire. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est à horizon 2-3 ans. Le temps que les poulets apprennent leur texte. Bon, ceci dit, il faut pas se leurrer. Le marché de la viande reste malgré tout très difficile. Et désormais, pour les professionnels, les espoirs reposent sur les saucisses. Et une fois de plus. Et une fois de plus. Allez, les saucisses, on est tous derrière vous. Les saucisses, les saucisses. Alors, au milieu de ce marasme, il y a quand même une bonne raison de se réjouir, Viande Mag nous la donne, l'Europe des jambons existe déjà. Et ça, c'est une bonne chose. Jean Monnet le disait, au-delà des frontières, au-delà des clivages, l'union des jambons est la seule qui puisse véritablement nous garantir la paix. Donc, c'est plutôt bien. Alors, rien à voir, la revue donne aussi une petite astuce pour savoir si un œuf est frais ou pas. Ça, moi, je ne savais pas, c'est très pratique. Vous le plongez dans l'eau salée, s'il coule, c'est qu'il est frais, s'il remonte, c'est qu'il n'est pas frais. Alors, s'il déploie ses ailes, s'envole et fonce dans la fenêtre, c'est qu'il n'est pas frais du tout. Hein. Pas frais du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et si vous mord à la cuisse, bah, c'est que c'est pas du tout un œuf. C'est autre chose, mais c'est pas un œuf. Probablement pas un œuf. Ou un œuf très agressif. Moi, j'aime bien les œufs. J'aime bien les œufs parce que c'est pas cher. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais c'est vrai, la vie est chère, tout augmente. Tenez, pour prendre un exemple qui parle à tous, cette année, le bidon d'encaustique a encore pris 15%. Les jeunes ne peuvent plus se payer d'encaustique. Même en hard discount. Le hard discount, vous connaissez, ça veut dire que la caissière est en cuir et vous fouette à chaque article. Hein. Tout schlag, tout schlag, tout schlag, tout schlag. Voilà, ça c'est le hard discount. Mais ça suffit plus. Ça suffit plus. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour augmenter son pouvoir d'achat? Bon, déjà, il y a un truc tout bête. Arrêtez de donner aux associations humanitaires. Hein. Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous de toute façon, hein? Hein? Vous voyez, rien. Hein, et vos petits rires gênés me prouvent que j'ai raison. Bon, en même temps, moi, je dis ça, je suis quelqu'un de très généreux. Alors, c'est vrai que je peux ne rien donner pendant 2 ans, et au bout de ces 2 ans, crac, 5 € d'un coup. Donc, on va pas me faire ce procès, quand même. Ah, si vous ne donniez déjà rien et que vous voulez aller encore plus loin dans les économies, vous seriez bien avisé d'acheter S'enrichir Magazine, hein, qui donne des conseils pour faire du fric et des économies spectaculaires. Exemple, pour économiser les semelles de vos chaussures, faites des pas plus grands, vous verrez, ça marche. S'enrichir Magazine, hein.
Je pars faire des économies. Il y en a qui ont bâti des empires en économisant les semelles de leurs chaussures. Et à contrario, ceux qui font des petits pas vont faire faillite. Hein. Ça, c'est sûr. La plus efficace encore, c'est de marcher sur la pointe des pieds et, si possible, à cloche-pied. Ce qui permet de garder une chaussure intacte dans sa boîte pendant que l'autre s'use. Donc, en tout, vous pouvez doubler la durée de vie de vos chaussures. Hein, ce qui est quand même appréciable. Bon, et puis après, on vieillit, on marche de moins en moins et donc les chaussures s'usent moins. La vie est bien faite. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit? On se laisse pas abattre. On lit une publication pour les vieux. La voix du retraité. Qui s'attaque cette semaine à une actualité brûlante. Les papiers à conserver. Alors, effectivement, la polémique fait rage ces jours-ci dans les maisons de retraite. Hein, faut-il garder ses factures EDF 40 ou 60 ans? Doit-on conserver ses factures France Télécom après sa mort, etc., etc. Et ben, le journal donne la vérité crue. Je vous la livre sans ménagement. En matière de papier à conserver, une erreur peut être fatale. C'est comme ça. C'est un petit peu exagéré. Hein. De toute façon, il faut dire les choses. Hein. Dans les médias, dans la presse, tout est toujours un peu exagéré. Hein. Tenez, par exemple, dans l'affaire des bébés congelés. Bon. Bah, on s'est rendu compte a posteriori qu'ils n'avaient pas été congelés, mais simplement surgelés. Ah oui, mais c'est pas pareil. Moins 15. Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télévision. Hein. Alors, dans la rubrique maison de retraite du journal, vous trouverez aussi une fiche technique « Réussir ses entretiens ». Alors, réussir ses entretiens, c'est pas pour se remettre à bosser à 95 ans. C'est pour rentrer dans la maison de retraite. Ça se fait sur concours, maintenant. Il faut savoir se vendre. Jusqu'au bout, vous devez savoir comment écraser les autres pour obtenir la meilleure studette. Alors, c'est pas parce qu'on est en maison de retraite qu'il faut être complètement largué. Donc, si on veut être dans le coup, on s'abonne à Ordi Senior, le magazine informatique des seniors. Avec en couverture une très belle illustration, hein, qui donne vraiment envie de se mettre à l'informatique. Eh oui, madame, ça existe. Ouais. En conférence de rédaction, le rédac-chef a demandé « Bon, les gars, qu'est-ce qu'on met en une cette semaine ?» Et il y a un type qui a répondu « Ben, on n'a qu'à mettre un vieux tout nu qui cache ses parties avec son portable. Super idée, Michel, validé, boum !» Voilà comment ça se passe à la rédaction d'Ordi Senior. Ah, cette revue a une position assez tranchée sur l'informatique. D'après elle, je cite, « L'informatique n'est pas une révolution. » Contrairement à la yaourtière, par exemple. Non, l'informatique, c'est pas... Oui, c'est bien un petit progrès, bien entendu. Bon, enfin, c'est pas... Alors que la yaourtière... Hein, là, ça a changé nos vies. Là, il y a progrès. Là, oui, je veux bien. Alors, Ordi Senior attire notre attention sur l'importance du choix des mots-clés quand on fait une recherche sur Google, sur Internet. Par exemple, nous dit le magazine, pétanque ne donne pas les mêmes résultats que boule. Un film de pétanque, c'est pas un film de boule. Hein. Ce sont deux notions bien différentes, attention. Hein, et si vous achetez un film de pétanque en croyant acheter un film de boule, vous courez au-devant d'une grande déception, je le dis tout de suite. Hein. Ça ne m'a pas tellement aidé samedi soir. Alors, quand on a fait le tour d'Ordi Senior, on passe tout naturellement à Funéraire Magazine, qu'on attend impatiemment dans sa boîte aux lettres chaque semaine. Chérie, il y a ton Funéraire Mag qui vient d'arriver. Wow, c'est génial. Génial, c'est génial. Génial. Avec en quatrième de couverture une magnifique sélection de cercueils capitonnés. Regarde, il serait bien pour ton dos, celui-là. Alors, l'édito commence par un constat qui n'est pas très réjouissant. Concernant les décès, il faudra attendre 2016 pour la reprise. Oh, bah merde, alors. T'entends, chérie? Les professionnels comptent sur leurs doigts le nombre d'années à tenir avant de reconnaître un volume de décès comparable aux années 70.
les belles années pour eux. Hein. Alors on apprend aussi que la nouvelle tendance, chez les défunts, c'est ce qu'on appelle la toilette poussée. C'est-à-dire, nickel, impeccable, encore plus propre qu'avant. Alors quelqu'un m'a envoyé une photo. Quoi? En me demandant si c'était de la toilette poussée. Ah, vous voyez comme vous êtes, hein? Alors, on la met ou on la met pas? On la met, hein? Alors voilà, hein. Non, 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 c'est pas de la toilette poussée, ça, hein. Là, on a juste mis au défunt un peu de rouge à lèvres. Hein. Ah, donc c'est vrai qu'il est, il est plus avenant, il a meilleure mine, mais c'est pas de la toilette poussée. Il a eu un coup de chaud. Vous prenez pas de notes. Vous venez là comme ça, ça fait plaisir. Alors l'été, à la plage ou ailleurs, on va tous faire des petits jeux, des petits quiz, des tests dans les magazines. Entre deux pipis dans la mer. Et les médecins aussi ont droit à leur jeu de vacances. Il n'y a pas de raison. Les médecins... Ouais. La revue Le Médecin Généraliste propose cette année nos énigmes de l'été, de quoi sont-ils morts? Alors on apprend par exemple que Mozart avait une gingivite et un œdème généralisé à la fin de sa vie. C'est vrai que c'est rigolo, ça détend bien. Quand on est médecin sur la plage. La rubrique Actu pneumologique nous parle ensuite des ravages du tabac et le journal avertit ses lecteurs « Les crapauds fumant des cigarettes sont sujets à explosion. Donc n'offrez jamais une cigarette à un crapaud dans votre salon. » Non mais il va accepter par politesse, mais au bout de 20 secondes, il va éclater, les rideaux foutus, et il sera plus là pour vous aider à nettoyer. Donc attention. On arrive maintenant au troisième pilier du bonheur. J'espère que vous suivez. Premier pilier, gencives saines. Deuxième pilier, être vivant, hein, l'un des piliers du bonheur. Troisième pilier, troisième pilier du bonheur, c'est d'avoir une vie épanouie au travail. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce que l'entreprise... C'est souvent synonyme. 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 Une relation conflictuelle, avec une hiérarchie par définition pas très commode. Soi-même, on est parfois un peu caractériel, pas toujours très compétent et bien souvent de mauvaise foi. Quand on tire pas au flanc, par-dessus le marché. Oui. Alors justement, un courrier cadre pose opportunément la question « Peut-on se bonifier avec l'âge ?» Eh bien, je me suis renseigné, la réponse est non. Voilà. Comme ça, vous pourrez profiter de votre fin de soirée. Alors, si vous avez des relations très tendues avec votre hiérarchie, vous découvrirez, page 25, la position de l'aigle. De maître Zhang Feipei, hein, pas l'autre. « Les yeux balayent l'entourage, ce qui permet d'analyser la situation avant d'attaquer. » Très utile au bureau avec son chef de service. Donc d'abord, armement des pattes.
analyse de la situation. Et ensuite, attaque. Et là, vous pouvez fondre sur votre chef de service et le relâcher un peu plus loin dans la vallée. C'est compris ? Céline, c'est compris ? Non. Vous vous appelez Céline ? Bah pourquoi vous faites ça ? Faut pas se laisser appeler comme ça. Mais comment elle s'appelle alors ? Alors, il y a les humains d'un côté, et de l'autre, il y a les animaux. Vous le saviez ? Et moi, j'aime bien faire des passerelles hommes-animaux. Parce que je trouve que bien souvent, il y a peu de différence entre les deux. Ah, y a une revue qui est malheureusement encore un peu taboue en France. C'est Sanglier Passion. Qui s'adresse, comme son nom l'indique, à ceux qui ont un penchant pour le sanglier. Non, mais y a pas de problème. D'ailleurs, en général, ils l'achètent comme ça. Alors, il y a un avertissement important en page 3. Vous ferez attention, Sanglier Passion devient une revue mensuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au démarrage du magazine, il y a eu le projet de faire un quotidien. Et au bout de 3 jours, l'équipe de rédaction s'est rendue compte que c'était intenable. La vie des sangliers n'est pas assez riche pour alimenter un grand quotidien national. En fait, on s'est aperçu qu'ils glandent énormément. Et il y en a très peu qui se bougent pour changer le destin du peuple sanglier. Et contrairement à ce qu'on croit en France, les sangliers sont très en retard par rapport à l'espèce humaine. Que ce soit au niveau de leur système de santé, qui est vraiment rudimentaire, hein, ou même leurs infrastructures, qui sont quasiment inexistantes, hein, faut pas se leurrer. Donc, beau pari ce quotidien, mais les sangliers sont vraiment trop décevants. Voilà. Alors, j'ai sélectionné quand même pour vous 2 belles photos. La première, page 24, un beau sanglier. Bon, apparemment, c'est un professionnel, il joue avec l'objectif, là. Hein. Il minaude un peu. Autre belle photo, page 40, un sanglier qui doute. Le photographe a su saisir ce moment de fragilité, de... Ouais, est-ce que... Peut-être bien que non, est-ce que je la rappelle, est-ce que... C'est mignon. Les sangliers aussi peuvent perdre la foi. Les photographes aussi, d'ailleurs. Allez, dernière belle revue qui permet de faire des passerelles hommes-animaux, c'est Côté Chat. On dirait le nom d'un restaurant d'autoroute, mais en fait, non. Côté Chat qui précise bien en sous-titre que c'est pour leur maître. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion au début. Les maîtres n'achetaient pas le magazine parce qu'ils croyaient que c'était pour les chats. Les chats. Et les chats l'achetaient pas non plus parce qu'ils le trouvaient trop cher. Hein. Bah, résultat, le magazine a mis la clé sous la porte. Alors, j'ai sauvé le premier et dernier numéro de Côté Chat. Ah, dans ce numéro unique, la revue constate que le chat a beaucoup de points communs avec l'homme. Et un en particulier, je cite, « Il n'aime pas faire ses besoins en public. » Donc, ça peut faire un point d'accroche pour engager une conversation avec un chat. C'est vrai que souvent, on ne sait pas trop quoi leur dire. Bon. Alors, un peu plus loin dans la revue, il y a ce témoignage étonnant d'une dame, je vous le lis. « Ma sœur était en train de travailler sur sa machine à écrire et sa chatte lui tenait compagnie. » Non, c'est pas là, tu vas voir. À peine passée la porte qu'elle entend reprendre le clac-clac de la machine. Surprise, elle découvre que la chatte avait pris le relais. Eh bien, sachez que la chatte a effectivement terminé le bouquin de sa maîtresse. Bon, elle a revu toute la structure, le récit. Et le bouquin a été édité chez Gallimard. Le voilà, ma vie de merde. Un chat tout net. C'est un pseudo, hein. Il a évidemment pas gardé son vrai nom de chat. Alors je l'ai lu, c'est un très beau roman, assez sombre, qui exprime, dans des mots simples, hein, ça reste un chat,
Tout le désarroi, l'accablement d'un chat qui se sent usé par la vie. Il n'a pourtant que 2 ans. Ah, je vous lis un passage qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué. Mon miroir me renvoie l'image d'un chat terni, un chat jauni, miné par le désœuvrement. Oh là 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 là. Quelle est loin ma jeunesse. Ma jeunesse de petit chat. Pour Noël, je me suis acheté une souris radiocommandée. Une illusion de plus. Les cadeaux qui me font plaisir se comptent désormais sur les doigts d'une main. Et encore, la main de quelqu'un qui aurait eu un accident du travail. Cette andouille de Nicole m'exaspère au plus haut point. Et ce soir, je n'exclus pas d'aller aux putes. Voilà. Bel ouvrage, beau témoignage. Et la maîtresse, la propriétaire du chat, a même accepté de préfacer le bouquin. Hein, donc, vu tout ce qu'elle se prend dans la gueule, c'est plutôt sympa. Alors, il y a 2 personnes qui m'ont demandé tout à l'heure à l'accueil des suggestions pour pimenter leur vie de couple. C'était qui? C'était qui? Bon, parce qu'à cela, je ne saurais trop leur recommander cette publication, Réussir la chèvre. Très beau magazine, vendu 11,50 €, hein, c'est un petit peu cher, mais bon. Pour réussir la chèvre, il n'y a pas de prix. Hein. C'est vrai, c'est le rêve de toute une génération, hein, réussir au moins une chèvre dans sa vie. Ah, si le monde caprin vous met un peu mal à l'aise, ou vous fait peur carrément, vous trouverez au milieu un cahier central consacré au porc. Les fanats de décoration y apprendront notamment comment définir une ambiance de porcherie. Alors ça, effectivement, moi, je ne savais pas, mais il faut mettre de l'ambiance dans la porcherie. Parce que sinon, les porcs font des mauvaises rillettes. Ça va, les porcs? Elles vont être bonnes, les rillettes, cette année? Ouais? Ah bah super, bravo alors. Non, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient un peu grasses l'année dernière. Oui, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu grasses. Ouais, ben voilà. Non, mais je sais bien que tu es pour rien, mais enfin voilà quoi. C'était celle d'avant. Allez, wouh! Tu bouges bien! Allez, check. Allez, vous profitez encore un peu et après on va se coucher parce que demain il y a abattoir. C'est un petit exemple, mais. C'est pour vous dire qu'il faut soigner tous ces détails dans la porcherie. Hein, donc plutôt des tons pastels et puis des tissus qui mettent les porcs en valeur. Hein? Hein? Ah, vous trouverez aussi dans ce cahier central un témoignage bouleversant. C'est celui de Stéphane, nomade du porc. Il a choisi ce qu'on appelle l'errance porcine, qui est plus qu'un état d'esprit. L'errance porcine, certains ici ont sans doute connu. Hein? Oui. C'est beau, hein? C'est vrai que c'est très très beau. Mais c'est dur. Ça va, vous tenez le coup? Il y en a qui sont en errance porcine dans la salle? Ouais. Hein. Ah, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Allez, dernière grande leçon de vie que je voulais partager avec vous. C'est Yorkshire Mac qui nous la donne. Yorkshire Mac qui s'adresse à ceux qui auraient aimé avoir un vrai chien, mais qui n'ont pas la place. Yorkshire Mag contient quelques bons conseils de dressage, et notamment celui-ci. Pour décourager un Yorkshire de voler de la nourriture, il ne faut pas utiliser des méthodes dangereuses comme des punaises dans un morceau de viande. Hein.
C'est vrai que c'est spontanément le premier réflexe qu'on a. Tiens, régale-toi. Pareil, il faut pas non plus cacher une grenade militaire dans un morceau de fromage. C'est très efficace, mais la pédagogie est limitée. Parce que le chien n'aura jamais l'occasion de se racheter. Il y a aucun mag. Quelqu'un a encore besoin, là? Attendez. 4 et 4. Ouais. Bah écoutez, là maintenant pour vous, il y a une belle carte à jouer. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu me rendre une petite visite pour cette dernière bouffe parisienne. Merci aussi à Laurent, à la régie. Non, 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 non. Il travaille bien, mais il le sait. Il n'y a pas besoin comme ça, mais bon. Ah, merci aussi à toute l'équipe du théâtre que j'aime beaucoup. Je suis très ému de jouer ce soir devant vous, parce que bah, d'une façon générale, je suis quelqu'un de très ému. Hein. Et donc voilà. Hein. Ah, quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure à l'accueil que mon spectacle n'avait pas de titre. C'est vrai. J'avais une idée au début, je voulais l'appeler La Princesse de Clèves. Et puis, je me suis dit que ça allait induire en erreur plus qu'autre chose. Même si vous avez vu, il y a quand même des recoupements, hein, mais bon. Le texte de Madame de Lafayette est plus lourdeau, hein, plus empoulé. Hein. Bon, c'est de la merde. Bon. Alors, avant de vous libérer, un petit mot. Si on a contre la famille en Bretagne, le journal de Pontivy donne dans son numéro d'aujourd'hui le coup d'envoi d'une grande opération festive. Assainissement, 3, 2, 1, à vos fosses. C'est une opération de prestige. Petit rappel aussi, notez-le dans vos agendas, du 15 au 20 mai prochain se tiendra à Paris le Salon international des caisses cartons du lait. Ah, ça peut faire une belle sortie pour toute la famille. Et enfin, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, je vous recommande le dernier numéro de Idées défonceuses. Qui propose encore un très beau dossier, faites-vous la main. Hein. Encore un beau dossier d'idées défonceuses. Qui est authentique, évidemment, comme toutes ces publications, sinon ça n'aurait pas de sens. Voilà. On va pouvoir rentrer. Prendre un petit verre d'eau. Tiens. C'est bon, l'eau. Ah, vous savez que je reviens de loin, parce qu'il y a 3 mois à peu près, j'ai eu une extinction de voix carabinée qui m'a contraint à annuler une semaine de représentation. Donc c'est-à-dire une représentation. Donc je suis allé chez mon médecin généraliste et parcours santé et il m'a prescrit un anti-inflammatoire très puissant qu'on prescrit dans ces cas-là. Donc je suis allé à la pharmacie, j'ai mangé mes comprimés et en rentrant chez moi, par curiosité, j'ai lu la notice de l'anti-inflammatoire.
effet indésirable. C'est un résumé, bien entendu, hein, il n'y a pas tout. Éruption cutanée, vertige, gonflement du cou, sensation de cuisson. Vomissement, ulcère, perforation intestinale, œdème, convulsion, raideur de la nuque, accident vasculaire cérébral. Bon, ça, à la limite, c'est un moindre mal. Et le dernier, décollement du visage. Entre parenthèses, rare. Si ces effets indésirables devenaient gênants, oh, ben, y a pas de raison. C'est pas gênant du tout. Veuillez en informer votre pharmacien. Alors, la voix, ça va beaucoup mieux, mais alors... Alors, je pose la question, il me reste un comprimé. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Non? Alors, bonsoir. Je peux y aller? Merci, à bientôt.